Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce jour sur Congo Live Télévision. Nous avons l'honneur de recevoir David Zimbié, un des Wazalendo, ces gens qui acceptent que la République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée. Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Bonjour Monsieur David, bonjour à tous les Congolais partout où ils nous suivent. Et je vois aussi tous ceux qui ne sont pas Congolais, mais ils sont aussi intéressés par nos informations et tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Ils nous demandent aussi, ils sont aussi vraiment le bienvenu de nous écouter encore une fois de plus, les informations de chez nous, à l'est, au nord Kivu, précisément. Vous serez vraiment en ligne bientôt là, dans cette émission. Monsieur David, il y a des gens, comme vous venez de les déclarer, il y a des gens qui ne sont pas de Congolais mais qui sont intéressés par la situation dans l'Est. Oui. Vraiment, en réalité, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris la malignité de Paul Kagame, accompagné de ce blanc, les Américains, les Occidentaux et autres. Ils ont compris cette stratégie et d'autres pays commencent à comprendre et nous encouragent d'ailleurs que nous puissions continuer parce que c'est nous-mêmes, comme je vous avais dit encore, chers Congolais, c'est nous-mêmes qui vont libérer cette république. C'est le nôtre, ce n'est pas le leur ou bien ce n'est pas pour le blanc et autres. Soyons d'abord conscients et comme ces gens-là nous disent, ils nous disent que non, chers David, si vous êtes au moins à 80 millions, si 2 millions de Congolais puissent comprendre d'abord que ce pays les appartient. N'importe qui ne peut pas parler du n'importe quoi. Parce que vous aviez compris ce que Gbagbo a dit en disant que non, la République démocratique du Congo n'est pas un pays. D'ailleurs, même si on lui donnait le budget de la France, les gens vont voler seulement. Est-ce que vous aviez compris ça? Oui, il y a les autres qui disaient qu'il a injurié les Congolais ou quoi. Ouais. Mais il a tout à fait raison pour certains Congolais qui volent. Parce que c'est en République où on ne détourne que des millions. En République démocratique du Congo. Pas même des millions de francs congolais, mais des millions de dollars. Alors on parle des... En disant ça, mais s'ils étaient au moins patriotes avec ces millions-là, il y a le frère Wazalendo, nous qui sommes là, nous souffrons. On n'a pas même le médicament et autres. Avec ces millions-là, si on nous donnait ça, vous voyez le courage qu'on pourrait faire. Si on achetait les armes avec ces millions, qu'est-ce qu'on allait faire? On peut être un pays puissant de cette région. Alors, comprenez les choses. Donc, avec ça, ce que Gbagbo a dit, bon, je l'ai donné aussi. On parle ici du propos de Pape François qui a déclaré, qui a appelé alors la communauté internationale à trouver des solutions urgentes, à trouver des mesures urgentes, à faire tout pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que le message de Pape François pourrait-il influencer en quelque sorte pour le retour de la paix dans l'est du pays? Bon, pour moi... J'ai compris que depuis que le pape était venu en RDC, on a compris que, moi d'ailleurs premièrement, on a compris que le pape n'a pas un mot à donner à ces gens-là. Parce que si lui, il est saint, on peut le dire, parce que les catholiques l'appellent le pape, c'est un saint. Ok? Si le saint, les autres ne sont pas saints. Là, tu vois, les Américains, le Français et autres, ils ne sont pas saints. Quand tu partages une idée qui est bonne, hein? La paix, il veut la paix, c'est une bonne idée. Il voit qu'il n'y a que des gens qui sont morts, la population qui sont mortes. Avec ça, c'est une bonne idée. Mais il partage ça avec qui? Avec les Américains, les Français, qui sont dans les clics. On ne peut pas comprendre. Mais quand il était venu à Kinshasa, il avait dit la même chose, que lui, il va faire tout pour que la paix puisse arriver en RDC. Il va faire tout, ça je vous dis. Mais depuis qu'il était parti jusqu'à maintenant, encore, bon, c'est une chanson, on va comprendre seulement. C'est une chanson. Mais quant à nous, nous devons toujours nous être prêts à se battre contre ces gens-là. Parce que ce n'est pas le pape qui va venir les enlever là où ils sont. Non, c'est nous-mêmes.
Donc là, nous sommes d'accord et nous sommes... Vous pouvez être d'accord avec moi que c'est nous-mêmes qui vont chasser ces gens-là, là où ils sont. Sinon, n'attendons pas les appels des Américains, les appels de Français, même du peuple. Ça, c'est de la flatterie au peuple congolais. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de prendre la conscience et de battre ces ennemis-là, partout où nous sommes. Parce que ces envahisseurs viennent de l'étranger. Et il y a ceux qui vivent ici à Goma, il y a ceux qui vivent même à Kinshasa. Partout là où vous êtes, là, vous êtes Congolais. Vous voyez n'importe qui est suspect. Mais dénoncez-lui. C'est avec cette conscience, prise de conscience, c'est là où nous serons tous les Ouazalendou. Les Ouazalendou, ça ne signifie pas toujours qu'il faut porter les armes. Mais l'arme intellectuelle, soyez intellectuel, aimez votre pays, soyez patriote. Avec ce patriotisme, on peut sauver ce pays. Et nos enfants seront fiers de nous et le défendront plus que même nous. C'est ce que je peux appeler au Congo. Dans plusieurs salons diplomatiques aujourd'hui, on voit la présence de William Ruto. Certains analystes congolais estiment que William Ruto aujourd'hui est remplacé Kagame. William Ruto commence à remplacer Kagame. Que petit dur. Bon, ce que je peux dire par là, je ne suis pas politicien, mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, écoute, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui était... C'est un joueur, je donne l'exemple d'un joueur. Ruto, d'un joueur, on joue déjà. Ok, on joue déjà le match. Alors ce match-là, on vous a déjà bâti. Mais on veut changer. Hein? Quelqu'un qui est meneur, on met un autre pion qui est, soit l'entraîneur pense que non, c'est lui qui va jouer plus que... Celui qui était dans les matchs. Ok. Malheureusement, quand Ruto est entré seulement, c'était dans 15 minutes qu'on l'a découvert. C'était dans moins de 15 minutes, ici. On a constaté que non, il y a les Kenyans déjà. On commence à tuer les Kenyans ici. On commence à avoir les Kenyans ici, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est ça, Ruto. Mais on connaissait déjà que Ruto entre dans les cadences. Alors avec ça, Ruto, c'est un petit joueur. Pour nous, c'est un petit joueur. Premièrement, on ne partage même pas les frontières avec les Kenyans. Parce que vous savez ça, on ne partage même pas. Donc, s'il veut entrer, il va passer par le Rwanda ou par l'Ouganda pour nous atteindre. Et avec ça, on va les localiser partout, ils seront. Parce que les Ouazalendou sont partout. Hein. Même en Ouganda, même au Rwanda. Alors, Museveni aujourd'hui accusé de collaborer avec les ADF. Museveni accusé de collaborer avec les M23. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Museveni, nous voyons en sorte comme s'il y a des réserves à son égard. Pourquoi ça? Les réserves par rapport à... Je n'ai pas compris la question. Aujourd'hui, Museveni est accusé de soutenir les rebelles. Les rebelles. Certains disent que la logistique du M23 vient de l'Ouganda. Oui, oui. Même Museveni aujourd'hui est accusé de soutenir les ADF qui tuent les gens à Beni. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Museveni, nous n'attendons pas, on parle de Museveni comme on parlait de Kagame. Pourquoi cela? Bon, vous savez, Museveni... Même vous, les Ouazalendou, vous ne parlez pas pour à l'égard de Museveni. Non, et nous aussi, on dénonce ici que Museveni est dans le clic. Mais en réalité, Museveni, qu'est-ce qu'il a joué? Il a fait ceci. Parce que si vous refusez que Museveni ne pas dans les cadences, donc vous dites du mensonge. Bounagana est tombé, c'est à cause de Museveni. C'est l'UPDF qui était entré dans Bounagana. Ok? Tout le monde sait ça, que UPDF est entré à Bounagana. Et qui dit UPDF voit directement le chef d'État. C'est lui, Museveni. Donc, il est dans le cadence de ces genres-là. Alors, Museveni, comment il jouait maintenant? Il jouait avec son fils. Son fils, c'est qui? C'est le chef d'état-major actuel. De l'armée ougandaise. Ok. Alors, ce monsieur-là, il appelle Paul Kagame son oncle. C'est ce que moi, j'avais compris comme histoire. C'est son oncle. Il dit que non, moi, nos Tutsis qui restent au Rwanda, ce sont mes oncles. Donc, c'est lui qui ose les pourchasser ou le faire du mal. Moi, je vais m'attaquer directement à eux. C'est ce qu'il avait prononcé comme ça, donc au clair.
et même dans le média. Et quand on a compris ça, on a compris que, ok, quand le fils a dit, donc c'est le papa qui est là. Pourquoi le papa n'avait pas dit à qui? À son fils de ne pas faire ça. Mais il l'a encouragé. Et jusqu'à maintenant, donc Museveni est avec son fils en RDC. Même si nous sommes avec lui, et c'est ça, j'aime aussi l'intelligence de Félix. C'est même le président. Pardon, mais c'est ce que nous sommes maintenant là. C'est ce que je suis très content parce que l'intelligence du président Félix, je ne comprends pas cet homme. Parce que ce même UPDF, nous sommes avec eux à Ben. Dans l'opération Souja. Aujourd'hui, ça produit. Mais je vous dis, en réalité, c'est même. Oui, ça produit. Ça produit. Si vous demandez, les Congolais qui restent là-bas, ils vont vous dire que en réalité, ces gens nous ont aidés. On continue. Mais en réalité, si on le laissait ces gens-là rester en Ouganda, mais ils allaient renforcer les autres. Les autres UPDF. Vous voyez stratégiquement. Directement que là où ils sont là-bas, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont contrôlés par le FRDC. Et aujourd'hui, on te dit que non. En réalité, nous, FRDC, nous devons maintenant contrôler nos frontières. S'il y a même un corbeau qui vient du Rwanda, on le fait tomber. Non, on parle ici d'abord de ce sujet tué à Beni pendant qu'on évoque l'opération à Oujoudja entre l'UPDF et le FARDC. Mais on continue à tuer les gens à Beni, monsieur David. Oh, mais oui, on peut tuer les gens à Beni. C'est ce que je vous disais. Les gens sont tués à Beni. Il y a des sources et des sources qui avaient dit d'abord, premièrement, il y a un ancien maire de la ville, ce qu'on appelle Nyonyi Bwanakawa. Si vous souvenez bien, on l'avait posé la question. Qui tient à Beni? Lui l'avait répondu ceci. Si vous demandez que moi je vous dise que non, qui tient à Beni, je vais vous dire ceci. Je suis venu ici à Beni comme maire de la ville, mais il y avait toujours des tueries. Chers amis, demandez trois personnes, entre autres, Joseph Kabila. Demandez Gilier Paluku, demandez aussi Mboussa Nyamwisi. Il savait ce qu'il disait. Mais personne parmi notre gouvernement est allé le voir. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que tu peux avoir de preuves par rapport à ceci? Le Nyonyi est passé. Aujourd'hui, vous me posez les questions. Qui tient à Beni? Selon moi, je connais premièrement un Congolais ne peut pas tuer son frère Congolais comme ça. David, frère. Tu ne peux pas me tuer comme ça pour récupérer ma maison ou bien ma femme. Vous avez beaucoup de femmes ici. Vous avez beaucoup de maisons ici. Vous pouvez chercher. C'est ça un Congolais. Mais un envahisseur, il vient pour vous tuer et récupérer votre maison. Qui est cet envahisseur? Pour dire qu'il y a des Rwandais là-bas. Il y a les Ougandais là-bas. Il y a un peuple qu'on prépare une place pour les implanter là-bas. C'est ce que je vous dis souvent. Parce qu'un Congolais ne tue jamais son frère Congolais. C'est faux. Dans notre coutume, un Congolais ne tue jamais son frère Congolais à cause d'eux. Non. Ce sont des envahisseurs qui restent là-bas. Et ils sont soutenus. Ils sont soutenus par les multinationaux et même les Occidentaux là. Quand je vous disais qu'il y a une famille, si c'est 85 000 familles qu'on commence à dire aujourd'hui au Rwanda, qu'on prépare une place pour eux, ici en RDC, qui prépare une place? Ce sont les Blancs. Mais la place peut être vie, qu'on puisse d'abord tuer, exterminer un peuple pour qu'on puisse implanter l'autre peuple. C'est ça qu'on fait, c'est Jal. Quand les Nantes vont comprendre que non, non, on commence à nous tuer ici, nous allons fuir, ils laissent le millier et après, vous attendrez un jour que non, vous savez, chers Congolais, pour vivre en paix, vous devez faire ceci. Et d'ailleurs, nous vous recommandons, comme à l'époque de Kabila, nous vous recommandons d'amener d'abord les 45 000 familles. C'était la recommandation de M23, si c'était M23, si c'était CNDP. Qu'on amène les 45 000 familles. Mais il y avait le chef coutumier qui était parti là-bas.
les chefs coutumiers de Masisi, les chefs coutumiers de Rutshuru et autres, ils étaient partis dans les cas ici. Mais ils avaient demandé, ils ont trouvé que des familles, ils avaient demandé, vous, vous êtes d'où? Votre village, c'est où? Lui, il est de Masisi, mais il te dit, chez moi, c'est à Loubert, mais territoire de Masisi. Village de Loubert, ou bien Ben. Avec ça, ça c'est un Congolais qui ne connaît pas même chez lui. Mais on avait récupéré, ces chefs coutumiers-là, ont récupéré que deux familles qui ont connu leur place en RDC. Et ils sont venus avec eux. Vous voyez? Donc, toutes les 45 000 familles qu'on allait nous amener ici, c'était des Rwandais pour nous infiltrer toujours. Pensez-vous que le plat que les Occidentaux, comme vous l'avez souligné, ce plat que les Occidentaux possèdent pour la RDC aboutira un jour? Ah, en réalité, pour le niveau où nous sommes aujourd'hui, là où le monsieur Félix, président de la République, vient de nous amener, ah, on a monté. Ça ne peut jamais et encore jamais aboutir. Pourquoi? Il y a une cause. La résistance vient de naître maintenant. Partout. Là, je vous dis partout. Même dans l'économie, vous allez voir, il y aura des résistances. Même partout, il y a des résistances. Donc, le patriotisme, nous devons toujours chanter le patriotisme. La mobilisation des Congolais dans cette guerre dans l'est du pays, pensez-vous que cela aille au moins un résultat aujourd'hui qu'on peut déclarer? Oui, ça a un résultat, un bon résultat. En réalité, les résultats que vous-même vous voyez auparavant, quand les M23 et les CNDP commençaient à se battre avec le gouvernement, ça ne faisait même pas un mois pour atteindre la ville de Goma ou bien la cité de Sac, les CNDP à l'époque. Les M23, ça ne faisait même pas deux semaines, de Bounagana jusqu'ici. Ils ont pris. Mais aujourd'hui, quand même, on a fait trois ans, presque trois ans. Et le gens meurent, je vous dis, le gens meurent. Du côté M23, ils meurent. Du côté RDF, ils meurent. UPDF, ils meurent. Mais comme ce sont les envahisseurs, ils ont leur objectif. Et nous aussi, nous avons notre objectif de garantir la sécurité et prendre nos terres chez quoi? Chez les envahisseurs. Pour dire que nous sommes toujours là, nous allons nous battre jusqu'à notre dernière énergie. Quelques jours après les remaniements du gouvernement que Kagame a placé, il a remanié son gouvernement, on parlait ici dans l'après-midi, dans l'avant-midi de ce vendredi 14 juin, des camions de M23 RDF ont été neutralisés par l'artillerie des FRDC dans les escarpements de Kabasha après Rwindi. Ce véhicule amenait des hommes et munitions pour renforcer la première ligne de rebelles dans cette partie. Des sources bien placées affirment la mort de plusieurs RDF, c'est-à-dire plusieurs éléments de l'armée rwandaise, dont un officier des renseignements du nom de Iriho Théo. Théophile, oui. Et c'est vrai? Ça, c'est très, très vrai. Et c'est ce que je vous disais, c'est parce que j'ai commencé déjà à vous livrer les stratégies que je vous disais que, en réalité, si vous voyez qu'à Masisi, il n'y a plus de guerre. Hein? Depuis une certaine deux semaines, il n'y a pas de guerre. Ok, il n'y a plus de guerre là-bas. Pourquoi? Mais nous savons le pourquoi. Parce que, on a su comprendre que le renfort de l'ennemi provient toujours du Rwanda et de l'Ouganda. Et ça passe par où? Par le parc pour aller où? À Masisi ou dans l'autre côté. D'accord? Alors avec ça, les stratégies ont changé. Et là, on a compris que, vous voyez, quand vous arrivez à Rwindi, hein? Rwindi est dans le rempli. Ok? Après Rwindi, il y a maintenant des montagnes. Donc là, ces gens-là, ils peuvent venir et là, on les visualise en totalité. En provenance de l'Ouganda, en provenance du Rwanda. Ok. Et là, c'est facilement de les abattre. Ce monsieur est mort. Et d'ailleurs, on disait que Willy Ngoma est mort. On a découvert qu'il n'était pas mort. Willy Ngoma n'était pas mort. Il n'était pas même d'ailleurs là-bas. Vous comprenez? Mais il y a un officier, colonel encore. Chargé de renseignement. Oui. Il est mort.
avec les munitions, arsenal militaire qu'ils avaient, et même le militaire qui accompagnait les munitions. Mais au fond, qu'est-ce qui motive ces gens? Au fond, c'est quoi la raison de leur motivation? Motivation du Rwanda, des Rwandais? Ouais. Ah. C'est quoi la raison de leur motivation? Ce que vous ne connaissez pas, c'est les Congolais, le vrai Congolais ont déjà compris les choses. En réalité, c'est le problème de terre. En réalité, c'est le problème de minerais. En réalité, c'est le problème qu'ils avaient déjà soumis à d'autres anciens présidents, que le président actuel a refusé. Mais avec ça, il fallait qu'ils amènent seulement la guerre et imposer cette guerre pour prendre le minerai et prendre même la terre. Maintenant, avec ça, ils ont échoué. Ils ont commencé maintenant à prendre qui les Nanga en disant que non, non, ce sont les enfants du pays qui vont changer le pays. D'ailleurs, Félix, tu ne t'es pas passé. Et d'ailleurs, Félix, tu n'es pas ceci. Le malhonnête et autres. C'est Nanga qui parle. Et là, quand vous voyez Nanga directement, vous dites, non, non, la communauté internationale, non, non, ce sont les enfants du pays. Donc, c'est la guerre entre Congolais. Est-ce que c'est ça? Mais non. Derrière Nanga, qui sont là? Mais il y a des Rwandais, il y a des multinationaux. Merci. Et autres. Pourquoi? Pour quel intérêt? L'intérêt minerai, intérêt terre. Merci, Monsieur David. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation. Nous vous souhaitons un beau début de semaine. Et à la prochaine pour d'autres actualités. Oui, c'est à moi de vous remercier. Et je remercie encore le Wazalendu qui était ici dans le front du côté Kibumba, côté de Kanyamaoro, qui se sont défendus jusqu'à la dernière énergie. Et je remercie aussi nos FARDC qui ont répliqué farouchement. Vraiment, chers frères, continuons toujours comme ça et gardons notre pays parce qu'il n'y a pas de république. Il n'y a qu'une seule république démocratique du Congo et c'est la nôtre. Nous devons les défendre partout où nous sommes et dans tout. Merci, cher.